Voici les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Il faut veiller à former des cercles verticaux de chaque côté du corps. On forme une courbe et on tourne ainsi de suite. On met la lance contre le dos et on tourne le corps. Quand on tourne, la lance tourne naturellement du dos vers l'avant. Il ne faut pas la ramener avec force. Le prochain mouvement, se retourner, crocheter la jambe et pointer. La main droite empoigne le manche et en même temps on tourne le corps à gauche. Puis on lève le pied droit qu'on crochette derrière le genou gauche, c'est crocheter la jambe. Et on pointe avec la lance vers le bas. Crocheter la jambe et pointer. On tourne le corps à gauche. On crochette le pied derrière le genou. La jambe de maintien doit être stable. En même temps, la pointe est dirigée vers le bas en pointage. Lors de l'exécution, la main doit empoigner la base du manche et la pointe est vers le bas pour pointer. De plus, le pied doit être crocheté à l'arrière du genou et il doit bien coller. Bien, refais-le une fois. Prochain mouvement, trembler en pas vide. On recule le pied droit, la main droite tire la lance et en même temps on allonge le bras gauche et on empoigne la lance. Je refais une fois, regardez bien. Trembler. Pratiquez avec nous. Se retourner, crocheter la jambe et pointer. Le pointage est une attaque. Elle vise surtout les poignets de l'adversaire afin d'annuler sa capacité d'attaque. Le pointage vers le bas doit être rapide et puissant mais de faible amplitude. Trembler en pas vide. On l'utilise surtout lors d'une attaque directe de l'adversaire. Le tremblement permet de le désarmer ou bien de l'obliger à changer de direction. On part de la souplesse vers la dureté, la décontraction vers la tension et on sort la force explosive. Prochain mouvement, avancer et cercle de lance. La main gauche tient la lance entre les doigts. La main droite amène la lance à l'intérieur et en même temps on avance. La lance décrit des cercles verticaux de chaque côté près du corps, comme ceci. Et on peut accélérer.
Les cercles de lance commencent à partir de trembler en pas vide. On commence, on avance et on fait les cercles. Lors des cercles, il faut veiller à former des cercles verticaux de chaque côté du corps. On forme une courbe et on tourne ainsi de suite. Attention, on empoigne la lance à son tiers inférieur. L'autre main est au-dessus. Ainsi, la main avant peut aller et venir. Donc quand on fait le mouvement, la main gauche glisse mais pas la droite. Bien, refais-le une fois. Les cercles de lance en avançant se font à partir de avancées et cercles de lance auxquels on rajoute deux pas vers l'avant. Je le fais une fois. Cercle de lance et en même temps on avance. Pratiquez avec nous. Portez la lance en croisant le pas. On commence avec les cercles de lance. Après les cercles, on avance et en même temps la main droite tire la lance à l'arrière. La main gauche part devant, puis on lève le pied droit et on croise le pas. On pose la lance sur le dos, puis on tourne. Portez la lance en croisant le pas, à partir des cercles de lance. On croise le pas. Quand on croise le pas, il faut veiller à ce que la jambe gauche soit fléchie et les bras écartés. Puis on tourne le corps. On met la lance contre le dos et on tourne le corps. Quand on tourne, la lance tourne naturellement du dos vers l'avant. Il ne faut pas la ramener avec force. Pendant la rotation du corps, la lance est déjà sur le dos, puis en suivant la rotation du corps, elle sort d'elle-même. Donc attention durant l'exécution. Bien, refais-le une fois. Avancée et cercle de lance. C'est surtout un mouvement de défense. Lorsque l'attaque adverse n'est pas distincte, on reste protégé et on peut trouver une opportunité de contre-attaque. Lors des cercles de lance, la lance décrit des cercles verticaux le plus près possible du corps. Cercle de lance en avançant.
Ce mouvement se fait à partir de avancées et cercles de lance auxquels on rajoute deux pas vers l'avant. Lors de la pratique, on peut commencer lentement puis accélérer. Portez la lance en croisant le pas. C'est un mouvement de transition pour enchaîner avec une attaque inattendue. La main droite doit sortir la force au bon moment, de manière coordonnée, le corps légèrement penché et la main gauche doit saisir la lance de manière précise et stable. Le manche doit être le plus proche possible du corps. Zhang Fei, ayant pour surnom social Ido, est un célèbre général chinois de la fin de la dynastie des Han et du début de la période des Trois Royaumes. Il servit sous les ordres de Liu Bei, le fondateur de la dynastie Shu. Selon la légende, il faisait partie des cinq généraux tigres de l'armée du Shu et était réputé par ses adversaires pour avoir au combat la force de 10 000 hommes. Il utilisait une lance qui, selon la légende, atteignait les 2,50 m environ et à la forme d'un grand serpent. Les généraux adverses qui le rencontraient en étaient effrayés. Maintenant, on révise ensemble l'enchaînement des mouvements de ce cours. Regardez l'ensemble des mouvements des deux premières parties de la forme de la lance. Pratiquez bien de votre côté. On se retrouve au prochain cours.